Salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Light. Coucou Light. Salut. Salut. Et on joue avec le Sea Hurricane. Il est 3h du mat, on est claqué, on est con. Pourquoi on fait une vidéo à cette heure-là? Parce que j'avais pas de contenu à vous proposer pour ce mercredi 6 mai, donc il fallait que je m'y mette. Donc là, on va tourner juste une partie, j'espère que ça se passera bien. Je lance le montage et je vais faire dodo. Pourquoi il est 3h du mat? Parce que là, avec Zerg de la team, ça fait 3h30. Je crois qu'on est en train de taffer pour ma config, pour ma tour. Donc voilà, on va se détendre un peu. On va jouer avec le Sea Hurricane. Je te propose qu'on grimpe un peu par la gauche parce que il grimpe très 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 lentement. Regarde ça, tu grimpes à 15 degrés, tu galères à passer les 200 km/h, ça fait chier, on est avec des Firefly, on va se faire bouffer le cul. Est-ce qu'on peut au moins grimper avec cette merde? Tu sais que tout à l'heure je l'ai mis à 10 degrés. Je suis parti genre 5 minutes, tu vois, mais vraiment je suis vraiment parti 5 minutes. Je suis revenu, j'étais même pas à 3000 mètres d'altitude. Putain merde. Et on va un peu à droite quand même, ou non? Non, non, faut qu'on grimpe, je te jure. Il est très lent et très lourd, donc... Et encore, j'ai quelques... Vous voyez là, j'ai quelques modifications. J'ai la ceinture de munitions, j'ai modification de 20 mm, j'ai modification de... Enfin, j'ai quelques... Je dois avoir 4-5 modifications déjà dessus. Il est pas full, mais... full, ça doit pas être plus passionnant que ça non plus. Peut-être que le moteur change vraiment quelque chose, je suis pas vraiment sûr. Voilà. Bon. Alors on va espérer qu'il n'y a pas les... Non, je pense pas. Il n'y a pas les P51, non? Non, il n'y aura pas les... Oh, y aura... Ouais. Non, 3-0. Les Firefly, ils sont à combien? 4-0, je crois. Oulala. Ça c'est... Ça pue le P51 entre nous. Oh putain. c'est à défoncer. ça pue le F6F qui climb comme un porc aussi. Ça pue le P38. Ça, si on arrive à dogfight avec eux, on les règle, hein, mais ils vont avoir largement l'avantage de l'altitude, donc on va se faire ce demi-surprise. C'est clair. Ils doivent nous voir en haut, les grosses patates volantes. Ouais. Donc, bon, on parle un peu de la config que je vais me faire du coup pendant le temps qu'on grimpe ou pas? Vas-y. Du coup, t'as un peu suivi toute l'histoire. Donc la config que je vais me faire là, je m'en sors pour à peu près 1084 € je crois, si je dis pas de conneries. Et au total j'en aurais pour... Attendez, je regarde sur mon téléphone, j'avais fait le calcul. Tac, 1268 € 90 centimes, bitches, avec l'écran et un petit pack clavier souris sympathique. Donc je pense que je vais me faire plaisir là, avec la config que j'ai. Ça va être pas mal. Hein. Ça va être pas mal. Qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai un i... C'est quoi? C'est un i5, je sais plus du tout la référence. 3,4 GHz. Certains me diront pourquoi t'as pas pris un i7? Parce que bitch, un i7 ça coûte trop cher. Là aussi avec le cas derrière, non, pour meurtre. Ouais. Voilà, ça coûte cher. Oui, le i7 qu'on a vu, si vous voulez, on a vu un i7 qui coûtait plus cher que la config que je me suis fait. Le i7 à lui tout seul, il coûtait 1167 €. On a quand même bien rigolé. Non, mais le PC, vraiment, j'ai un PC entier qui tourne les jeux actuels de façon très correcte, voire très bon. J'en ai pour 1087 €. L'i7 à lui tout seul, il a 1167. Cherche l'erreur. Petit processeur, tu sais, voilà, il achète un PC. Cherche l'erreur. Cherche l'erreur. Tu vois, P47, P37, P51, oui, ils sont là, ils sont présents. Mais ils sont genre à près de Base and Reach, c'est à 12 km. Ça va. C'est 12 km et c'est notre altitude, donc on n'est pas trop mauvais. T'es sûr que t'es parti? Sinon, pour la carte graphique, les pros Nvidia vont m'insulter, mais je vais partir chez AMD. Hein. Venez pas me dire, ouais, AMD c'est de la merde, je vous pisse dessus. Niveau encodage pour les montages vidéo, ça, c'est AMD qui pisse sur Nvidia, donc ça m'arrange.
J'ai pris, c'est la... Ah, putain, j'ai plus vraiment le nom en tête. Et puis c'est pas celle-là que j'ai notée sur ma... Sur ma mini liste que j'avais, sur ma pré-liste que j'avais faite. Je sais qu'il y a 290X dedans. Bah pour vous dire au niveau des au niveau de la puissance, elle équivaut à une GeForce GTX 970. Ce qui est relativement correct, même très bon. Bon après je me suis fait plaisir, un petit boîtier Corsair, un petit machin, un petit truc rouge, j'ai tout assorti, on a tout assorti en rouge avec Zerg, ça va être joli. Je vous ferai un petit unboxing, vous inquiétez pas. Ça va le faire, je vais avoir plein de petits paquets à ouvrir, je vais emmener ça chez mon pote qui va me faire le montage. Et here we go. Ce Bon. sera la fête et Noël. Ce sera ce que je disais, ce sera comme je serai comme un gamin qui ouvre ses cadeaux de Noël. P25 à droite. 25 à droite, où vous pouvez entendre Light qui chuchote, il est 3h. 3h06, mais c'est n'importe quoi. Sinon on pourrait parler de quoi en attendant de choper du peuple. Vous êtes nombreux, vous êtes. Enfin vous êtes nombreux, vous êtes pas mal à venir sur les. Oh putain, il y a F6F au-dessus là. Ouais, Super Day, il va me la mettre, hein. Ah, il va Le nous la bâtard. mettre, le bâtard. Fais quoi? Merde. Ouais, t'as pas trop le choix de te laisser dive là, je crois. Quoique. Je propose qu'on se barre. Ok, on fait quoi? On va sur P38? Il y avait un P40 alone là-bas, ouais, mais il y a un boomerang dessus. Il arrive. Allez, viens, 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 joue avec moi, joue avec moi, joue avec moi. Putain, surtout qu'il y a un P47 aussi. Oh putain, depuis quand les P47 ils sont strong? P38 ou quoi là? Bah, moi je propose qu'on les fasse descendre déjà de base. D'accord. Bah attends, je reste avec toi alors. Il y a le F6F qui arrive. Il est derrière? Ouais. Ah ouais. Attends. Je t'apprendrai à viser, noob. Hé Ah hé hé. putain. Il va nous boomer de zoom. Oh merde. B20... Ah non, ok, non, c'est bon. Le. Putain, y'a quoi d'autre là? J'ai vu un autre spot. C'est toi. Y'a le. On va se faire déglinguer. Oh, y'a Papa Schultz. C'est qui Papa Schultz? P51. Ouais, mais moi je suis dessus, Prems. Attends, y'a plus que nous dans l'équipe là? Non, ils sont où les potes, bordel? Je sais pas. Bah, ils sont là, à 3 km. Et le F6F, il nous en veut personnellement, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Non, j'allais dire Papa Schultz, il a des copains, mais non, non, c'était de l'anti-aérien. Il y a le B25 à droite qui retourne à sa base. On le chopera plus tard si on a encore envie. De toute façon, on a le boomerang avec nous, donc ouais, on peut s'en sortir. F6F, il... Putain, il m'en veut, hein, ce bâtard. Tu sais que je suis en train de rattraper un P51 avec un vieil Hurricane random de merde là? Attends, je dogfight le putain de F6F. Non, Ok, il a cette les tours. baltringue elle vient vers moi, elle vient vers moi. Bon, au moins, on l'a amené bas, hein, parce que là... Ouais, on l'a fait descendre au moins. Mais genre, tu sais, voilà, il remonte, il va boomer une zone, voilà, grosse pute. Bon, il est pas con d'un autre côté, les garçons. Surtout ne le suis pas parce que là c'est la mort assurée. Ah bah là oui, surtout qu'il y a son ami P47 derrière qui arrive. On est dans une situation assez délicate, donc moi je propose c'est quand on est en infériorité d'altitude, c'est vraiment de raser le sol, comme ça si le mec il veut vraiment de boomenzo, il va falloir qu'il descende au ras du sol. Et il y a une... S'il gère mal son avion et sa vitesse, il y a une forte chance qu'il se crache. Qu'il percute le sol comme une vieille merde, et ça peut être assez drôle. Putain. Ils osent pas venir, hein, ils osent pas venir. Ouais. Tu vois, quand ils sont en haut, voilà. Ils font les malins là, mais dès qu'ils vont descendre, dès qu'ils vont perdre de l'énergie, on va les direct. Mais faut juste être patient là, ça va être un jeu de patience. Pitié, descendez, qu'on vous descende et qu'on aille se coucher. Merci. Portal de merde. Bordel de merde, respectez notre sommeil un peu. En même temps, Putain, en ok. fait, non, il se barre. Viens, on revient vers la zone de combat. Je sais pas si... Il y a Kung Fury là-bas, P51. Il faudrait le faire descendre, quoi, c'est le problème. Il y a le P51 Papa Schultz qui arrive. C'est un joueur PS4, on peut le rect easy. Qu'est-ce que...
Jamais vu une partie comme ça, je te Oh, il y a jure. le P51 qui vient vers moi. Ouais. Allez, viens, viens là, je te gère. Allez, viens, je provoque pour que tu me dives dessus, que tu perdes de l'énergie. Comme t'es un joueur PS4 avec un pseudo un peu bidon, tu vas essayer de me dogfight et je vais te rect. Parce que PC Master Race. Voilà. Tout est dit. Et moi, je vais devenir un super PC Master Race d'ici pas longtemps. Il y a beaucoup de joueurs PS4 à ce temps-là. Player Truc de K fou. level 35, allez viens, t'as aucun skill mon garçon. Le mec qui juge les joueurs au level, tu sais, c'est chaud. Oh putain. Allez, putain. Puis pour reprendre un peu d'altitude avec cet avion, c'est une catastrophe. Oh, sérieusement, il était pas fait pour grimper, hein. Ah, les Anglais, ils devaient se tirer les cheveux avec un moteur aussi faible. Et les Français, oh! Quoi? Ok, oh j'ai eu trop peur. Ah non, c'est ADC, c'est bon ça. Ok, le boomerang s'est fait shot par le P47. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Putain. Ah, il y a Je le sais. connard de Firefly, il est sur leur base depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi Moi? tu te barres? Moi je me barre, je suis Je rien. suis dans Non la mais merde. j'essaye de climb un peu pour essayer de prendre de l'énergie après, mais ça va être chaud. Ah moi c'est pas tard. Vraiment, il a vraiment un moteur faible, le Hurricane, c'est dommage. Je comprends. Après, je comprends qu'il est vite remplacé par le Typhoon, hein. T'as du monde sur toi ou. Ah non non mais ils étaient quand même 4 au-dessus de moi, j'étais pas très Ouais, les 4 loin derniers, dessus. quoi. Oh, ils sont bons, oh, ils sont encore 6. Putain, on est dans la merde. Ah, si on s'en sort celle-là, mon garçon. Mais Gameplay très non. intéressant. Gameplay de la victime qui est en bas. Ah merde. Il y a le P51 là-bas qui a Kung Fury qui a dégommé notre ami. Ouais, gameplay très intéressant. On est déjà à 12 minutes, il s'est rien passé. Mais en même temps, on va dire qu'on n'a pas des ennemis très coopératifs. Ils sont un peu. Je vais pas les traiter de cowards, mais. Ils sont un peu là en mode. Je chie dans mon froc et là, tu le vois le P51 à notre altitude. Mais fais gaffe, il y a toujours ce bâtard de F6F. Putain, il m'énerve lui le F6F là. Mais il attend le moment de. Mais. Oh mais en fait. Il en reste plus 4 que. Ok. Oh le p. Oh je l'avais pas vu lui. Oh le bâtard il va me le mettre. Non c'est bon. Oh la chance. L'esquive. Il y a le F6F qui se pointe. Allez, esquive. Attends, je vais stall. Ok, on va se faire déglinguer. Allez, viens la Kung Fury. Je te la mets. Non, le Mustang va m'avoir. Non, il m'a. Il s'est fake. Tu sors d'où toi? C'est quoi qui me tire dessus? Ok, je Ok, reviens. Mustang. Oh, j'ai. Tu m'as Oh sauvé là là. là 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 là. Ce shot. Alors là, vous, ils peuvent témoigner les abonnés. Un shot d'une infinie précision. Vraiment, ça montre à quel Attention, point. P51, Papa Schultz, il vient pour toi, je crois. Ah ouais, il est où? Le Derrière bâtard. toi. Attends. Putain, chaud, chaud. Fuck. Vas-y, B25, là, lâche-moi la grappe. Putain, c'est quoi qui me tire Oh, dessus? j'ai. P25 de Yes! merde. T'as eu quoi? T'as eu quoi? Oh, t'as eu Super Dave. Non, Tu tu lui as piques, mis mais quoi? il a rien eu. De la merde. De la grosse merde. T'as rien eu de vital? Ouais. Par contre, le B25, il va me la mettre, hein, c'est pas des conneries. Gros bâtard. Putain, ce roulis de merde. Oh, je vais m'écraser. Je vais m'écraser. Non, non, c'est bon. Oh putain. Oh, ce. Attention, P51. Non! Putain, on a tellement pas d'énergie dans cet avion, quoi. C'est. Est-ce que c'est de l'énergie fighting? Nope. Non, Ah, c'est chaud. c'est du Gaijin fighting, Ah sachant non, que. mais. C'est n'importe quoi. Oh, j'ai explosé les élévateurs B25, j'ai eu le B25. Ok, Fais B25 gaffe. shot. Oh, j'ai eu l'autre Super Dev et je l'ai. Oh, tu l'as eu? Ouais, je Oh l'ai eu. putain! On va peut-être s'en sortir, mine de rien. Y a Papa Schultz là, mine de rien. C'est le seul qui est à live, tu vois. Seul en vie. Enfin, seul en vie, non. T'as genre là, comment les ingérer là? Oh là 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 là, je suis choqué. Allez, viens mon garçon. Allez, viens, descends. Viens t'amuser avec nous. I want to play a game.
On a le Firefly là-bas. Il reste 3 ennemis, 3 contre 3. Je crois qu'il descend. Ouais, il descend vers moi, putain, mais merde. Il descend vers nous. Faut le forcer à perdre son énergie de toute façon. Ouais. Il y a un LP47. P47, il va se ramener. Ok, il fait quoi? Je sais même pas où il est. Oh, il est devant moi. Merde. J'ai loupé, j'ai loupé. Le P47, c'est pas bon là. Je tente des shoots un peu random, mais tu sais, comme je tire à la air target, j'ai pas vraiment j'ai pas de traçante. Pareil, pareil. Le P47. Ah, mais ils peuvent trop nous boomer une zoom. Oh putain. Ah, il y a le B25 qui se pointe là-bas. Il est où? Il y a un B25 là-bas. Tiens, j'ai plus que 160 munitions. Ouais, j'ai P47. P47 qui arrive. Pareil. Ah, il y a des flaps combat sur cet avion. Utile. Ouais. J'étais habitué sur les Anglais à pas avoir ce flaps combat. Ah, le chacal, c'est bon, il va pas y aller. Ah, ils peuvent nous bouer une zoom comme ils veulent. Allez, putain, le Firefly. Il ramène son cul, monde. Puis ça, quand il a disparu. Non, il est là-haut. Il arrive. Ouais, je... faut essayer de ramener le combat vers lui, vers le Firefly. C'est rien plus. C'est ce que je fais. Et 47, il fait quoi là? Il reprend l'altitude, il va essayer de nous stall dive. Putain. Et le B25, je l'ai perdu de vue par contre. Le Firefly, il est à leur altitude donc il les forcera à descendre. C'est notre seule chance pour les faire descendre, ces enfoirés. P47 en approche. Putain de merde. Tourne. Attends. Les deux en approche d'un autre. Ah putain, putain de merde, ils sont vers toi. Non, non, le P47 il a viré, il a viré. Bon. P47, je l'ai évité, ça me semble. C'est bon, Firefly à 7 km, 6 km. Allez, mine-toi, mon garçon, viens. Ok, il se barre. Attention, le P51 fait demi-tour. Ouais, je le vois, je le vois. Je lui ai donné un sale angle de merde, j'espère. Ok, le Firefly est là, allez, rentre dans la danse, mon garçon. Voilà, le P51, c'est bon. Il vient vers moi. Putain. Non, mais le Firefly... Sauf qu'on lutte. On lui donne trop un angle de shoot. Il a fait quoi? Ne me dis pas qu'il a fait un face-à-face. Et là, il l'a mis en feu, le Firefly. Le P47 a mis en feu, le Firefly. Ouais. Putain. C'est quoi cette équipe, mec? Ah non, on est vraiment tombé sur des pas bons, là. Non, il a pas le droit de faire ça. Je suis d'accord que t'as quelqu'un qui est 20 mm. Je crois qu'il est plus en feu, gars. Ouais, mais regarde, il y a le Mustang qui vient lui tirer dessus. Et puis nous, on peut pas climb, quoi. C'est ça qui est chiant. On n'a pas... Regarde ça, on est lent. En plus, avec les 4 20 mm, ça alourdit un max le Hurricane. Ok, je vais tenter le truc de l'impossible face à face avec le P51. Bonne chance, hein. J'ai tout loupé, fait chier. Faut arrêter P51. Il est où le P47? Il est au-dessus, il arrive sur toi. Bien. Tourne, tourne, tourne. Non, non, okay, non, pas... il était vers l'autre. Ok, on a perdu notre Firefly. Le P51 par contre a plus d'énergie, peut plus climb. Ouais. Donc lui il a notre merci. Niveau munitions, t'es bien là ou 233, mais c'est chaud, c'est chaud. Moi je suis à 160, hein. Mais de toute façon tu sais qu'une rafale ça peut être mortel avec 4 canons de 20. Ouais. Putain, il revient pour une passe, l'autre bâtard de P47 là. Ouf, un peu intense quand même comme partie nocturne. Oh merde, je t'avoue que je transpire un peu là. Pareil. Sans déconner, hein. Comment est-ce que je tiens ma souris? Je ne sais pas. Ok, P47 vient pour ta gueule. Ouais. Non, non, c'est bon. Putain, mais ce moteur de lâche qu'il a, le Hurricane, c'est un truc de barge. Putain de merde. Le P51 il va vers sa base, il a plus de muni, je crois. Ouais, tant mieux. Il faudrait qu'on arrive à doser ce putain de P47 et. Perso, j'aimerais bien avoir l'autre. Tu veux pas te faire le B25? Tu vas te le faire? Ok, vas-y. Bah, je sais pas. P47 vient pour moi. J'étais chaud pour te le laisser, mais. Non, 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 c'est bon. Enfin, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je m'en fous. Non, mais il sait ce qu'il fait, ce connard. Il sait ce qu'il fait. Ouais, fais-toi le B25. Il est niveau combien, lui? Niveau 39 en histo. 2200... Ouais, niveau 39, 2284 kills en histo. Il connaît son jeu. Hein. Il est pas mauvais.
Bon, je vais aussi vers le B25. Je sais pas, peut-être ça peut foutre le bordel avec lui. Ok, il revient pour ne pas sur moi. Non, sur qui? Sur toi. Sur Sur moi, toi. je crois. J'aimerais bien le choper en face à face vite fait, lui. Oh le bâtard! Oh bâtard! Il m'a explosé le moteur. Chier, chier, chier. Je suis out. Putain, salopard. Il a bien joué, il a bien joué, hein. Attends, il y a le B25 qui revient. Peut-être essayer de le B25? choper. Ouais, Peut-être ouais. essayer de le choper avant de mourir. Ce serait génial. Vas-y, tu le fais. Il s'est écrasé, cette espèce de vieille merde. Termine. Oh non, les maisons veulent lui. Oh, je l'ai eu! GG. Ah, je l'ai eu! GG, GG. Oh, c'était magnifique. C'était magnifique ce shot. Bon, tant pis. Putain, non, il a bien joué le P47, il a bien joué. Vraiment, GG à lui. Rien à dire. Il a su tirer pleinement parti des capacités de son avion. Il savait que s'il descendait, il était mort. Est-ce que le B25 peut repair? Je pense pas. Regarde, il est en train de prendre feu, fuel tank, vu comment il a pris cher et vu le nouveau système de gauging, s'il arrive à réparer, je crie au scandale. Il arrive, attention, puis il s'est visé le bâtard. Ouh. Petite panique. Il est où le bâtard? Tente pas de tirer à la desperados comme ça. Surtout Jamais. que tu la critiques, tu m'as dit en plus. Non, la F6F, je l'ai critique et je l'ai Ah, c'était le F6F que eu. t'avais critique, merde. Ouais. Est-ce que si je prenais assez de vitesse. Non, tu reprendras pas assez d'altitude. Il est trop lourd, je te dis, trop lourd et le moteur suit pas quoi. Pilote snipe. Hey, t'as pilote snipe? Ouais, ma pilote snipe. Ah, dommage, dommage, dommage. Bon, j'aurais au moins tenté. Ah oui, moi de toute façon on pouvait pas faire grand chose. Hein. Dès qu'on a perdu notre altitude avec le Hurricane, on est limite foutu. Je sais pas comment on a réussi à s'en sortir, à faire. Bon, on a fait 4 kills à nous deux. Ouais, bon bah voilà. Hein. Donc 22 minutes de vidéo, je pense qu'on est pas mal. On a un peu parlé, on a parlé d'un peu de mon actualité gaming, comment ça va se passer. Hein. Donc au niveau de la commande, je sais pas trop quand je vais passer. Faudra que je vois. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner, à suivre sur Twitter, machin, tout ça. Tu dis au revoir? Eh On dit au bien, revoir. un beau matin, il y aura. Eh bien, bonne nuit à vous, enfin bonne nuit à nous surtout. Et bonne nuit à toi, Light, et à Merci très à toi plus pour une aussi. nouvelle vidéo.